De l'Hexagone. Étant présent depuis le début, je peux donc témoigner que ça n'a pas été facile, mais la persévérance a fini par payer. Ce que je souhaite pour l'avenir, avec l'équipe des jeunes, c'est que bon nombre d'entre vous présents ici ce soir nous soutiennent et continuent à adhérer. Car comme on dit chez nous, la force fait l'union. Donc, plus il y aura d'adhésion, plus l'association vivra. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier à tous et à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Nous vous demandons d'applaudir, monsieur Pierrot et Zim. Et je vous en félicite, madame la présidente.
Alors je sais qu'aujourd'hui, après quelques années, 25 ans d'ailleurs, vous avez élu un nouveau bureau composé de femmes, bravo, hein, ce sont des dames, qui se trouvent qu'il n'y a pas d'hommes, c'est encore peut-être un pied, mais voilà, vous avez mis la cravate pour remplacer tout ce qu'il faut, bon, il faut connaître quelque chose, mais c'est déjà pas mal, déjà pas mal. Alors, je voudrais avant tout, Madame la Présidente, au nom de la collectivité grand-messienne, au nom des élus présents, mais aussi au nom des élus qui ne sont pas présents, au nom du conseil municipal de Corbeil, je voudrais, si vous permettez, remettre un diplôme d'honneur. Deux diplômes d'honneur de la ville du Corbeil, deux diplômes d'honneur qui sont importants. Parce que la ville du Corbeil, vous le savez, je suis sûr, fier, elle est engagée dans une dynamique culturelle, touristique, économique, sportive. Et là, je sais que vous êtes nombreux à visiter le site, vous êtes nombreux à nous voir sur France O, vous êtes nombreux à découvrir le Corbeil. Sachez que le Corbeil aujourd'hui est une des communes, la troisième commune du centre touristique de la Martinique. Cela veut dire que nous travaillons beaucoup. Nous avons aujourd'hui, vous le verrez, pour ceux qui viendront pendant les vacances, pendant le carnaval ou pendant la Noël, nous avons aujourd'hui 6 chantiers en cours. Des chantiers de grande importance, vous verrez donc que votre Corbeil, vous devez être fier et vous serez fier de ce Corbeil. Alors, aujourd'hui, ce soir, nous avons décidé, avec le conseil municipal, d'honorer deux d'entre vous, Madame la Présidente, deux membres éminents du GICC, parce que nous souhaitons, qui nous ont porté aussi un apport culturel, un apport touristique. Un apport, un lien au Corbeil, ils le font pour la diaspora carbécienne, la diaspora carbécienne en France, mais ils le font aussi en Martinique par leurs activités culturelles. Alors aujourd'hui, ce soir, si vous me permettez, Madame la Présidente, je souhaite appeler que ce Georges Villard, s'il vous plaît. Que ce soir, la ville carmétienne vous remet un diplôme d'honneur, président fondateur du GICC, en remerciement de votre dévouement, de votre engagement au service de la diaspora carmétienne de France, de votre explication culturelle et associative pour votre commune. Voilà ce que la municipalité carmétienne vous dessert, M. Georges Villard. Bravo pour votre engagement, pour le Corbeil et la diaspora carmétienne. C'est une surprise, mais c'est une agréable surprise. Alors, je ne sais pas, monsieur le maire, je tiens quand même à vous remercier ainsi qu'à toute votre équipe d'avoir pensé à moi, oui, c'est Georges qui m'a appelé, en tant que fondateur. Oui, c'est vrai, la tâche n'a pas été facile, 25 ans, c'est long, mais pour entretenir la diaspora carbécienne et surtout les amis et les sympathisants qui nous ont suivis depuis de belles années. Alors, je voulais encore renouveler mes remerciements et ça me touche énormément parce que, bon, voilà, je répète, je suis agréablement surpris et je voulais vraiment partager avec tous ceux qui sont en cuisine, qui sont Daniel Parlement, Daniel, enfin, ils sont énormes, qui sont là avec vous, mais il aura fait la vaisselle, il aura nettoyé. Je voulais vraiment partager tous avec eux parce que ce sont des hommes de tous fidèles, et je tiens à leur remercier. La culture du vivre ensemble, ça se passe au GICC. Alors, encore une fois, monsieur le maire, merci, ainsi qu'à toute l'équipe municipale. Merci à vous. Allez, monsieur Villard. Alors, on ne saurait dissocier, mesdames et messieurs, un autre, un président, un homme qui a été président, un homme qui a aussi emmené le GICC à ce qu'il est aujourd'hui, un homme qui a cédé les rênes à Madame la Présidente, aux jeunes, il fallait qu'ils cèdent, c'est normal, qu'en fait-on. Mais aussi, je voudrais appeler Monsieur Patrice Génieux. En tant que président du GICC, vous avez été président du GICC, et donc la municipalité vous remet ce diplôme d'honneur, particulièrement pour votre dévouement, votre engagement
votre implication culturelle, associative, pour votre commune et pour la diaspora cambodgienne. Merci, monsieur Patrick Gémieux, pour tout ce que vous avez apporté au Cameroun. Merci, monsieur le maire, merci à la municipalité. Quoi dire, le journal a encore dit que, franchement, le GDC, c'est une famille, c'est un groupe qui a travaillé depuis 25 ans. 25 ans qui a travaillé pour être et faire ce que vous avez aujourd'hui. Merci encore une fois. En tout cas, pour moi, c'est la victoire donc, de la confiance. C'est tout. Merci. Et puis, donc, Georges, moi, je pense que Georges l'a dit, mais l'émotion fait que on ne peut pas dissocier Georges et moi parce que nous avons travaillé de concert tous les deux depuis 25 ans. En tout cas, pour que le GIDCC soit ce qu'il est aujourd'hui. Certes, nous avons passé le relais, mais avec un regard bienveillant sur la jeunesse pour qu'ils puissent continuer, en tout cas, de construire cette passerelle que nous avons jetée il y a 25 ans. Merci. La collègue, qui est là aujourd'hui parmi nous, donc j'appelle Madame Bich. Nous avons un cadeau pour vous, Madame Bich. Applaudissez Madame Bich, s'il vous plaît. Nous avons commencé très jeune, 15-16 ans. Ben,
c'est ça. C'est encore, en tout cas, une longue collaboration parce que Georges qui l'a, je vais penser même bien là. Si GITC c'est là encore, c'est parce que là ouais, GITC qui a toussé, nous tous les gars toussé, nous malades. Et Georges, le premier vache et Patrice, qui sont repensés d'eux, ça nous peut faire tout. Alors, et c'est comme ça que nous avons fonctionné. Pas de trahison. En tout cas, une collaboration totale. Et c'est ce qui a fait que nous sommes là encore aujourd'hui. Alors, rapidement, pour compléter ce qu'a dit Patrice, je vais juste vous lire un petit mot. Attends, c'est là. Alors, vous savez, 25 ans, qui aurait parié qu'en 87, je serais ce soir en train de fêter les 25e anniversaire de l'association. Également, ma santé professionnelle. Alors, si en 87, j'aurais parié, je pense que. Je ne sais pas ce que nous dirons aujourd'hui, parce qu'on a reçu doublement pas surpris. Je suis heureux d'être parmi vous en tant que fondateur et également comme, comme a évoqué Magali, je dois rentrer au pays, bien évidemment vous avez compris, pour une retraite, comme on dit, bien méritée. Alors ce que j'ai à dire ce soir, je m'adresse à vous tous et toutes. Alors mes chers amis, chers adhérents et sympathisants, permettez-moi de vous associer au bilan de ce 25e anniversaire de notre association, car vous êtes et resterez l'essence même de notre existence. Parce que sans vous, nous ne serions pas là. Et bien évidemment, sans nous, vous ne seriez pas là aujourd'hui à fêter cette belle aventure. Je voudrais associer à cette longévité du GDCC mon ami Patrice Gémieux, qui est à mes côtés, qui a beaucoup contribué pour garder le navire cabessien à flot. Et aussi à tous les anciens. J'entends par là Georgie, Marilus, Jacqueline Mézois, oui, Potomitan, et tous les autres. Okay? Alors je les associe pour que la fête soit belle et continue. Alors par la même occasion, je fais une petite dédicace à celle qui nous a montré le chemin, je cite Madame Hélène Séraphin, qui restera notre modèle. Et puis pour la petite histoire, pourtant on ne l'a pas téléphoné. Juste avant de venir, elle m'a téléphoné de la Martinique. Alors, il y a quelque chose qui brille là-haut. Madame Hélène Séraphin, notre modèle, elle m'a téléphoné ce soir, juste avant de venir dans cette salle. Alors, fond de ce bilan, je voulais avant tout remercier vous adhérents pour votre soutien et votre solidarité. Sachez que vous êtes l'élément essentiel de cette réussite, parce que vous avez couru et vous croyez encore. Je remercie profondément tous les bénévoles présents et passés qui, par leur action soutenue, ont permis l'essor de notre association. Aux membres du conseil d'administration, je voudrais leur dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec eux durant toutes ces années, sans oublier toutes celles et ceux qui m'ont accompagné tout au long de ces 25 ans. Mes derniers remerciements iront aux associations qui nous font confiance. Elles sont nombreuses. Et aussi à la ville du Cabet qui, à travers l'ancien maire, lui là qui est la Féonée, qui a toujours cru en nous et à l'actuel maire, Jean-Claude Descanville, qui met tout en œuvre pour entretenir la passerelle entre le Cabet et la métropole. En conclusion, je vous annonce que ma mission de l'Hexagone s'achèvera à la fin de l'année. C'est pour cela que le retour est... Cela veut dire, pardon, que le retour au pays natal est proche et que toute fin est le début d'une autre chose. Ainsi va la vie. Fondateur du GDCC, le message que j'ai à transmettre à la nouvelle équipe, vous, mes chers demoiselles et dames, le message que j'ai à vous transmettre, si vous avez confiance en vous-même, vous inspirez confiance à tous ceux qui vous entourent, à savoir votre public ce soir. Merci beaucoup.
celui qui sait des ennuis. Et puis, arrivez la guerre. Ça sert au Seigneur de la Corée.